Bonjour, bonjour. Ravie de vous retrouver pour un coloriage dans ce livre de chez Laure Philippon. Oui, j'ai choisi ce modèle-ci, regardez. Voilà, donc on va le colorier avec les crayons de couleur licorne, les QLC120. Si vous les connaissez, c'est ceux-là, regardez. Si vous les connaissez, tant mieux. Si vous ne connaissez pas, je vous mets le lien de la vidéo quand je les ai achetés. C'est pas pratique. Vous voyez, j'ai préparé la trousse. Je vais la laisser là, comme ça, sur le côté. Et de ce côté-là, vous voyez, ça, c'est le nuancier. Je vais le laisser là. Voilà. L'essentiel étant que vous voyez bien ce qui se passe. Je vais essayer de zoomer un petit peu. Voilà. J'essaie de faire attention. Voilà. Allez, le nuancier, les crayons de couleur. On va faire cette petite demoiselle. On va s'éclater un petit peu. Les cheveux. On va partir sur les cheveux. On va les faire dans les tons. À partir du... J'aurais dû préparer mes couleurs avant, je m'en rends bien compte. Je me rends bien compte que j'aurais dû préparer un petit peu avant. Je vais sortir le 116, 218, 219. Vous voyez, bon, je range mes crayons comme ça. Je ne sais pas si vous vous souvenez, tous les crayons sont rangés avec une petite étiquette pour retrouver plus facilement les numéros. Donc on a dit 116, c'est dans les marrons. 100. 218 et 219. Euh, 218, 219, 116. Ils se suivent les numéros donc. 116, voilà. Le plus clair étant le 116. Donc on va commencer par le plus clair et on y va. J'appuie pas sur le crayon. Je caresse le papier. Je vais faire une base de clair un peu partout dans les cheveux. Je vais contrôler. Oh là là, j'ai. Ouais. Je contrôle que je suis bien cadrée. Je viens de mettre la vidéo sur le diamond painting en ligne avec la petite balade à la plage. Je suis ravie de mes deux petits ouvrages et je viens de les ranger dans une pochette à dessin. Vous savez, les vertes là. J'ai une grande pochette. Je les ai rangées. Je vais peut-être réfléchir à les encadrer pour les offrir au moment de Noël. Pourquoi pas? Ça peut faire un joli cadeau. Je fais une base claire parce qu'on ne peut pas faire des. Peut-être que je vais faire des. Essayer de faire des reflets plus clairs. Là, c'est une base.
Les cheveux descendent là, derrière. Je vais essayer de mettre la vidéo en format chat afin qu'on puisse discuter un petit peu ensemble, même si c'est des petits mots écrits, c'est bien quand même. De toute façon, faire des lives directs, je peux pas, j'ai l'ordinateur n'est pas assez puissant pour pouvoir les faire. Donc là, vous en doutez. Et je vais déjà faire le visage, les cheveux. On verra bien à quel moment on arrivera d'enregistrement, puisque de toute façon, la caméra, je peux pas aller. J'ai. D'ailleurs, il faut que je fasse attention. J'ai 40 minutes, 45 minutes d'autonomie. Alors, il faut que je regarde combien de temps, il y a combien de temps que j'ai commencé, calculer ça, pour pas qu'on soit coupé. Si je le fais en plusieurs fois, c'est pas bien méchant. Voilà, j'ai fait tout le fond, vous voyez, toutes mes mèches sont faites. Je vais contrôler, vous voyez bien. Ah, les cheveux, je perds mes cheveux. Oui, regardez. Là, hop. Donc, déjà, il y a une petite base de fait. On va partir sur. Moi, j'aime bien partir sur plus foncé et après dégrader. Essayer d'estomper, dégrader le méché. Là, c'est plus foncé, là, c'est l'intermédiaire. Les petites mèches comme ça qui s'en vont, je vais les faire en attendant. Intermédiaire avec le 218. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de petits modèles comme ça dans les tons châtain. C'est vrai que j'ai une préférence, je m'en vais vers le blond. J'ai remarqué que je partais souvent dans les tons blond miel. Voyez, ça se travaille très bien avec l'intermédiaire et le foncé. J'arrive à faire des jolis méchés. J'appuie pas trop sur, j'appuie pas même. De toute façon, je caresse le papier et on arrive très bien à les travailler. À faire des fondus de. Pour que ce soit trop uniforme non plus. De teinte. Là, je fonce. Ici, de l'intermédiaire. En fait, pour dégrader, il n'y a pas de secret, hein. Faut un foncé, un clair, un intermédiaire, ça. Ça, c'est une réalité. Hein. Dans n'importe quel coloriage, même pour faire une fleur, faut un foncé, un clair, un intermédiaire. Une feuille aussi. Hein. Une feuille, non, encore, on peut travailler en. Ça dépend de la grosseur de la feuille. Mais on peut travailler avec une seule couleur, en appuyant plus ou moins. Je sais que cette technique-là porte un nom, mais je me rappelle plus du nom. Burnishing, je crois. Un truc comme ça.
donner un petit éclat de lumière. Regardez, ça commence à apparaître. Oui. Le moyen. J'adore ce petit bouquin. Je vais vous mettre le lien. J'ai acheté dans une maison d'édition. Je cherchais tout simplement un cadeau à faire à une amie pour un enfant. Et je suis tombée sur une maison d'édition qui, avec une illustratrice, bah Laure Philippe. Pardon, je ne vais pas faire de Philippon, pardon. Je n'ai pas écorné son nom, cette dame. Je suis tombée sur sa maison d'édition et en fait, c'est une illustratrice de l'histoire pour enfants, voilà, conte pour enfants, cherchez le terme. Et en fait, d'après ce que j'ai vu, tous les petits personnages qui sont en illustration là dans ce carnet sont repris dans ses bouquins, c'est les personnages de ses bouquins. Vous savez ce que c'est, les livres de coloriage, ça fonctionne beaucoup, coup de cœur. J'aime bien ces formats-là, en fait. Ces petits formats-là. Avec cette qualité de papier-là, c'est top. J'adore. Maintenant, c'est mes goûts à moi. Hein. Je comprends très bien que pour d'autres personnes, ça ne puisse pas convenir. Hein. Ça... Chacun fait son lit comme il veut. Comme on dit chez moi, c'est une expression. C'est mes goûts à moi. Chacun fait son lit comme il veut. Je vais reprendre un petit peu de moyen pour faire la petits épis sur le visage. Je vais créer l'ombrage parce que je trouve que ça en a besoin d'un petit peu d'ombrage. Comme la lumière se reflète ici, je vais accentuer ici, le dessus, vous voyez. Comme il y a les fleurs qui vont avoir... Vous voyez ce que je veux dire? Il y a les fleurs, hein, je vais créer un petit ombrage là pour les fleurs. Voilà, je vais le renouveler là pour le fond des feuilles. Quand je mettrai les feuilles en coloriage, vert, l'ombrage sera fait du dessus de la tête. Là, je m'en vais avec le moyen pour la petite mèche là. Le sourcil, je vais le faire tout de suite dans le plus clair. Je ne vais pas trop foncer les traits de visage. Je vais partir dans les marrons clairs. Ouais, ça me plaît. 218, 219, le plus foncé. Je vais pas, vous n'allez pas m'entendre discuter beaucoup parce que je me concentre. Je me concentre pour mes lignes, pour mes effets de lumière. Pas faire de sottises dans les coloris.
Aujourd'hui, le temps est moins chaud. Moins chaud qu'hier. Mais tout aussi bien. Et moins chaud, mais ça reste quand même des bonnes températures. Voilà, je travaille les ombrages. Voilà. Par petits coups, j'appuie pas sur mon crayon comme ça. C'est plus facile de foncer que d'éclaircir. Moyen. Je vais refaire continuer mes petites mèches. Là. C'est un peu plus foncé là-bas en haut. J'ai mis la mèche en un peu plus foncé, j'ai changé le crayon. Vous voyez, je refais pareil. C'est un peu plus foncé là sur l'arrière de la chevelure. Sincèrement, je ne suis pas allée voir les bouquins. Parce que bon, ben, je veux pas du copier-coller par rapport au bouquin, au personnage, faire exactement la même chose. Pour moi, le fait de colorier, c'est m'évader. Je prends la couleur comme je le sens. Ouais, je vais contrôler que je suis bien, ouais, centré. J'aime bien son coup de crayon à cette illustratrice-là. Ça change. Ce papier est d'excellente qualité en plus. Bon, voilà pour les cheveux. Moi, ça me convient comme ça. Regardez. Moi, je trouve que ça fait un joli rendu. Je vais vous poser bien à plat. Je vais vous le zoomer si j'y arrive. Vous savez que j'ai toujours du mal avec ce zoom. Voilà. Voilà. Ouais.
20 minutes. On va faire des petites bricoles. Vous voyez, ça, comme ça passe très, très vite, on est déjà 24 minutes. Je vais laisser mes marrons sur le côté. Je vais sortir de quoi réaliser les petits papillons. Je n'ai pas encore réfléchi au fond. Oh, je vais les faire dans les tons 146, 147. Rose, rose violine. 146, 147. Allez, on va faire un fond clair. Je vais faire le fond de tous mes papillons en 146. Comme c'est un modèle très frais, très... très jeune. Je vais amener un maximum de fraîcheur et douceur aussi. De la douceur dans ce coloriage. Je vais faire une base de 146 sur tous les papillons, puis les travailler après mes ombrages avec deux couleurs différentes. Comme il y a 4 papillons, non 5, vous voyez, c'est ce que je me disais bien. Je sais pas si vous avez remarqué, généralement les petits sujets comme ça de décor, il fonctionne souvent comme les fleurs, en chiffres impairs. Ah bah non, regardez, 6. 6. Il y en a encore un là. Alors, 7. Ben voilà, on est en impair. Non, il y en a encore un là. Oh là, il va me faire, ah, il va me faire mentir. 7. 8. Il n'y a pas d'autre? Ben non. Donc c'est un chiffre. Ben écoutez, c'est bien la première fois que je vois ça. Regardez les fleurs. Il y en a 3. 1, 2, 3. 4, 5. Là, on est en chiffre impair. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bien souvent, je remarque qu'on tombe sur des chiffres impairs. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi, personnellement, quand je fais un colo, je trouve qu'on retombe mieux sur ses pattes. Pour la... comment dirais-je? Pour le calibrage, oui, voilà. Le calibrage. Je trouve que c'est mieux pour les proportions. C'est mieux d'avoir un chiffre impair. Donc du coup, je vais prendre un mauve un peu plus soutenu derrière. 131. Travailler les deux. Couche par couche, ça va très bien. Celui-ci, là. Ici, je vais le laisser uniquement dans les tons roses. Un peu plus soutenu, un petit dégradé de rose. Et puis là, je vais travailler les deux. Du rose, et puis l'autre, le mauve. Pour faire un rappel avec... une histoire de symétrie. Et là aussi, je vais partir sur du plus foncé à l'extérieur. Là aussi,
puis on va dégrader tout ça. Aussi. J'appuie un peu moins fort parce que les papillons sont vraiment très clairs. Je n'appuie pratiquement pas, je vous assure que les crayons glissent. Ça les fond du son. Très bien fait. Je vais essayer de faire les contours tout de suite. Attendez, je vais réfléchir. Je vais prendre 167. 167. 167. Par contre, il me faut une pointe, vous en doutez, pour faire les contours des papillons. Il me faut du fin. Je vais. Oui, je vais prendre du fin. Quelque chose. Une mine très bien taillée. Vous n'allez pas m'entendre, je vais me focaliser sur mes petites finitions. Si ça suffit pas, je mettrai bien. Oh non, j'ai pas envie de mettre de. Non, je mettrai pas de paillettes. Non, si tout compte fait, ça va bien. Les contours sont atténués. Mon but, c'est pas de les cacher, c'est de les fondre avec l'intérieur, la colorisation. Que ça se confonde. Si vous voyez ce que je veux dire. Allez, on y va, on va faire celui-ci. Voilà. Bon, je vais faire le dernier. Voilà. Regardez. Vous voyez, je les fonds en fait. Je vais mettre un tout petit coup, alors vraiment un tout petit coup de gomme là. C'est la mine qui a un petit peu bavé, c'est pas si méchant que ça. Voilà. C'est vraiment histoire d'être maniaque, dirons-nous. Voilà, regardez. Oh, il y a
encore. Ah, flûte, hein. Voilà, petit débordement atténué. Le visage, la peau, avec le numéro 140 des CQL. Vous savez, les crayons couleur licorne. Je n'appuie pas sur mon crayon. Je caresse le papier. C'est un papier qui a un grain... ce serait bien du 250 grammes, ça, du 200 ou 250 grammes. Je ne saurais pas vous dire. Donc, c'est un grain assez épais. Enfin, le papier est assez épais. On peut faire de l'aquarelle dessus. C'est un papier d'excellente qualité. Pour ça, d'ailleurs, je n'appuie pas beaucoup dessus parce que le pigment se dépose sans aucun problème. Par contre, je vais m'assurer qu'on est bien centré. Je vais peut-être agrandir un peu. Là, pour mieux voir. Je m'assurerai que on est bien centré par la suite. De toute façon, la robe, je ne vais pas la faire tout de suite. Donc, on va déjà s'occuper du visage, des bras, tout ce qui est peau. J'ai de haut en bas, généralement. J'ai commencé par les cheveux. Donc, je vais faire tous les éléments du haut, puis après haut. Finira par les éléments du bas et après, bien sûr, par le fond. Donc, voilà, j'ai posé ma base. J'ai rien oublié en peau. Non. Voilà. Donc, 140, je l'ai sur le côté. Je vais prendre mon petit pot dans... crayon en cours, et tout ce que j'utilise qui est en cours, je mets dans un petit pot sur le côté. Ça, si j'ai besoin de refaire un petit rattrapage ou accentuer tel ou tel ombrage par la suite à la fin du colosse, c'est rare, hein, mais enfin, je me dis, bon, au moins j'ai les bons numéros sous la main. Puis on sait pas non plus par moment, on laisse le... Je prévois de faire le coloriage en entier, et puis bon, bah, je suis appelée au téléphone, ou enfin, les choses de la vie courante, quoi. Donc, je suis obligée de laisser les crayons en suspens. Donc, j'ai trouvé cette solution-là. Je mets dans un pot à crayon à part. Puis au moins, tout est bien rangé. J'en ai plusieurs en cours de crayon, j'ai ceux-là et puis ben, les coloriages terminés que je vais vous tourner la vidéo aussi. Mais le temps passe tellement vite que je n'ai pas encore eu le temps. Je n'ai pas encore eu le temps de faire les coloriages terminés. Donc, vous voyez, il y a plusieurs pots de sortie. Pour pas que j'oublie, je me le note et je laisse les crayons de sortie tout le temps que j'ai pas... Par moi, il y en a partout la table. Oh là là, je sais pas si vous êtes comme moi. J'ai tendance à m'étaler. Pourtant, je suis organisée. Hein. Je suis organisée. Vous voyez, pour choisir les CQL, là, j'ai sorti 5 ou 6 trousses qui sont là-bas derrière. Vous les voyez pas, mais elles sont là-bas derrière. Alors forcément, ça prend de la place. La flemme d'aller ranger les trousses que j'ai pas utilisées, que j'ai pas choisi pour ce coloriage-là. Je me dis, ah oui, les trousses, bah oui, elles sont sorties. Oh bah, puisqu'elles sont sorties, faisons un coloriage avec, à votre idée. C'est fait pour être utilisé. Donc je me dis, bah, après les CQL, il va venir le tour de sol, le tour de sol, le tour de sol, le tour de sol. Ah là là. Chacun son tour, comme à la confesse. Voilà, vous voyez, ça commence à prendre forme au niveau du décolleté. Ah, toujours pareil, je n'appuie pas sur mon crayon. Vous me voyez faire des petits ronds, mais je vous assure que je n'appuie pas sur mon crayon. Je dépose le pigment, je caresse le papier. Je préfère passer 3 ou 4 fois que d'appuyer sur mon crayon.
Et en fait, le fondu se fait très bien. Moi, je suis contente de ces petits crayons-là. Je sais pas si vous les avez. Regardez. C'est joli. Ça fait un effet réaliste. Je vous assure que de visu, l'avoir sous les yeux, ça fait très réaliste. Ça fait une peau claire, en fait. Avec un ombrage. On viendra travailler après la bouche, les yeux, le regard. Tiens, je vais lui faire un petit vernis à son ongle, la sortie au papillon. Allez, on va mettre un peu de mauve. Les petites fleurs, là, je les ferai en jaune. Je veux du jaune. Je veux du jaune. Le jaune, on va s'en aller vers le 103, 104, 104. 103, 104. 103, c'est un jaune orangé. 103 et 104, jaune. Regardez, 104. Bah, du coup, je suis partie aux fleurs. Non, mais je dis que je faisais le visage, je me retrouve à faire autre chose. C'est terrible. Non, mais... Et des petites feuilles, là, je les ferai. Quand on fera les fleurs, là, sur le... Sur le... La chevelure. On fera les feuillages. Quand je sortirai le vert pour faire les... Ah non, on a dit qu'on faisait la peau, le visage. On va pas partir les fleurs, hein. Ah, c'est terrible. C'est tellement joli qu'on voudrait tout faire, on n'a que demain. les yeux, je vais faire un fond blanc, sortir mon blanc. Ah. Je vais lui faire des yeux clairs quand même. Ah, dans les tons bleus. Moi, hein, bleu. Je vais sortir 161 et 162. 162, 161. Vous voyez, c'est pratique ces étiquettes quand même. Hop, un coup d'œil. Allez, on va passer un petit coup de bleu là. Faire un petit estompage. Alors, vraiment léger. Avec l'autre bleu plus foncé. Histoire de donner de la profondeur à l'iris. Voilà. Je vais aller chercher un petit gris clair pour le fond de l'œil. Là, un gris très très clair. Ouais, mais enfin, il faudrait quand même qu'il soit étalé. Je range jamais mes crayons taillés. J'ai toujours peur que la mine s'abîme. Je préfère. C'est pas grave, ce crayon est un petit peu. La mine est un petit peu émoussée, enfin utilisée. Je préfère tailler au moment de colorier. Ça me permet de moins casser les mines dans les trousses. Mais d'économiser la mine, tout simplement. Hein. La petite bouche, on va partir dans les tons clairs. 144, un rose poudre clair 144. Quelque chose de très naturel, je vous l'ai dit dès le début. Donc, quelque chose de. De tendre. Voilà, c'est le terme, tendre. Par contre, le. Il faudrait quand même que je mette un petit truc un peu plus soutenu. Pour la bouche, 148, est-ce que je l'ai sorti 148? La 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 148. Oui, il n'est pas encore sorti.
un petit peu plus soutenu pour marquer les traits de la bouche et puis des lèvres. Mais alors c'est vraiment léger. Croyez bien que je n'appuie pas. Regardez. Pardon. Qu'est-ce que ça rend? J'ai travaillé le regard avec le noir. Noir ou un marron très foncé. Bah, je sors le noir. Mais je vais y aller prudemment sans appuyer sur le crayon. Vous voyez, j'utilise tellement peu. Le noir. Et j'appuie un peu plus fort sur le dessus de l'œil par rapport au dessous. Les sourcils, les petits cils. Voilà, regardez. Tout de suite, ça finit le regard. Regardez. Faut pas non plus appuyer trop fort sans qu'on se fait des œils de biche allongés, ça fait pas beau. Voilà. Là, je vais foncer un petit peu les petites fleurs qu'il y a là, tant que j'ai le noir à être sorti. Voilà. Donc là, la peau est faite. L'ongle, là. Bon, on va attaquer les petites fleurs. Je mets en pause, on attaque les petites fleurs. Bon, voilà, on va attaquer les petites fleurs, les petites verdures. Alors, on va mettre de côté tout ça, histoire de ne pas se mélanger les pinceaux. On va faire du 120, un vert clair, et 121, un vert un peu plus foncé. 121, 120 et 121. 120, du clair. Donc je fais mon fond, puis après je travaillerai les ombrages. Comme j'ai le même système que j'ai fait pour les cheveux en fait. Voilà, une feuille là qui retombe. Pardon. Et les fameuses petites feuilles qui sont là, mais vraiment elles sont petites, elles sont minimes. Regardez comment elles sont petites. C'est vraiment un petit point de vert. Alors là, je n'en ai pas oublié. Non, il n'y en a pas. Allez, on va travailler. Qu'est-ce que j'adore travailler avec une pointe comme ça. Je ne sais pas si vous voyez bien, regardez la pointe. Oh, j'adore ça. Ça va super bien. Là, je fais mon petit contour et je mets un point de... Je fonce le centre de la feuille pour créer les nervures, tout simplement. Un petit nervurage. Ah, j'en ai oublié une là.
Allez, regardez. On va reposer. Je me demande si c'est pas. Oui. C'en est une autre aussi de feuilles. Une autre sorte de feuilles. Donc je vais faire tirer avec mon vert plus foncé. Et je vais encore plus foncer. Pour apporter un tranchant. Ben, je vais partir sur 122 tout simplement. Ce qui suit. Une teinte un peu plus foncée. Voilà. Par contre, là, regardez, il y a deux petits, ça fait comme deux petits grains de dans les cheveux. Vous avez le bandeau d'une fleur, un autre bandeau, et ça, c'est quoi ces deux petits trucs-là? Vous voyez ce que je, de quoi je parle? Ça, là. Vous avez une guirlande de perles qui est attachée au bandeau avec une petite plume là. Et là, c'est quoi ça? Ah bah alors là, je suis bien mal en peine. Des petites pinces peut-être? Je ne sais pas. Bon écoutez, on va laisser de côté pour l'instant. On va s'attaquer aux trois fleurs. Parce que là, franchement, 167, 166 et 168. 166, 168. Est-ce que je les ai déjà sortis? Je ne m'en rappelle plus. 166, 168. Eh ben ouais. Ils sont déjà sortis. Non, 168 ici. Et 166. Ah, il est où? Oh, écoutez, je ne trouve plus. Non, on va faire un petit de là, ça ira très bien. 168 et 147. Bah ouais. C'est un rose un peu plus soutenu. Donc là, je fais mon fond. Là, je vais faire le pétale un peu plus clair pour pouvoir faire sortir les pistils qui sont là. Un peu plus foncé en fait. Voilà. Allez, on va travailler avec l'autre teinte.
147. Vous voyez, je me concentre pour faire un joli dégradé. Parce que là, le foncé est sur les bords extérieurs. Pas, ça, vous voyez, sur les contours, là. Elle a déposé un petit ombrage, l'illustratrice. Donc là, je travaille. Le pétale. Et je fous mes coloris ensemble. Voilà. Va faire joli. Bon, je vais faire la deuxième là. Dans les tons 109, j'ai déjà vu ce que 109 il fait poser. 108, 107, 108. Mais il est où 109? Et Donc idem, je refais pareil, je retravaille mes couleurs avec ces deux crayons là, j'appuie plus ou moins fort suivant les ombrages. Et après je repasse une petite épaisseur de pigment, alors vraiment légère, histoire de fondre le tout ensemble. Voilà, je reprends plus foncé pour mes contours. Je ferai des pistils à la fin sur toutes les fleurs. Voilà. Le dernier, j'ai envie de le faire en jaune pour faire un rappel à celle-ci. Allez, c'est parti. Pourquoi pas? Ah, c'est un jaune vif. Et un jaune orangé. Par contre, le jaune orangé ne va pas être assez
foncé pour faire les contours. Je vais retrouver un orange un peu plus 105. Ouais. Ouais. Pour, vous voyez, marquer les contours. Voilà. Ça me convient comme ça. Parce que vous voyez avec les papillons, je trouve que en refaire encore une fleur, déjà là c'est chargé dans les mêmes tons. Je trouve que de mettre un peu de jaune à côté de ce papillon là, ça fait plus joli quand même. Bon, j'ai décidé d'attaquer les petits bandeaux et de le faire avec la même base de bleu que les yeux. Donc je suis partie avec 162, 163 et j'ai choisi 164 en plus foncé pour amener. Je vais faire un coordonné plus ou moins foncé des deux. Bon, c'est pas, regardez, vous voyez comme quoi c'est une feuille en fait là. Et où ma gomme là, ça c'est une petite feuille. J'ai cru que c'était un pli de bandeau, mais non, c'est une petite feuille. Comme quoi, quand on a le nez dessus, c'est franchement, c'est... Quand même. Vous allez voir, en plus, je vais me tromper dans les verres. Je vais pas prendre les mêmes, combos. Non, si, c'est bon, ça va aller. Voilà. Donc, on était parti avec le fer. Le bleu. Le plus clair. Le bleu moyen. Et là, le plus foncé de tous. Travailler les deux teintes pour qu'elles se fondent bien, faire un joli fondu de couleur, puis là idem. Je vois toujours pas ce que ça peut être, ces deux petits coquillages là. Oh là là. Je travaille les ombrages dans le petit bandeau avec les petits plis. Pour finir, je fonds le tout. Allez. Allez. Ces deux petits coquillages, là. Hein. Sincèrement, je vois pas trop comment je vais faire ça. Ça, j'ai envie de le faire au feutre. Feutre très très fin. Peine.
Je sais pas si j'ai un marron. Je vais regarder ça. Ça fait plutôt orange, ça. Oui, marron là. On va bien trouver. Voilà. Je fais toutes les petites. Toutes les petits bouts d'étamines, les petits ronds. Je les ferai. Aussi au peigne, c'est tellement fin que faire ça au crayon de couleur, ça va être difficile. Marquez là aussi, hein, vous voyez bien, pour faire le petit collier là, la petite descente de collier. Wow. Je vais faire, c'est la petite plume là, tant qu'on est ensemble. La petite plume, parce qu'on aura fini les détails du haut. Je vais réfléchir à la. Ah, je me demande si c'est pas la descente du collier là. Regardez. Je me demande si ça, c'est pas la descente, vous voyez? Ça. Je me demande. Ça me semble logique maintenant. La petite plume. On en était à la petite plume. On va faire la petite plume. Nettoyer les petits dépôts. Je la fais quelle couleur? En 150. Allez hop, 150. Une petite plume. J'ai pas encore fait beaucoup de rouge. Eh ben écoutez. C'est fait. Et je vais prendre un rouge encore plus foncé pour faire les contours. Voilà. On gère directement, vous voyez. Hop. Vu que je ne fais que ça. Ah ben non, il va y avoir les paupilles à faire. En rouge. Alors, je devrais regarder avant de parler. J'ai les paupières rouges à faire, le petit cœur. Marquez, c'est pas des rouges paupilles, ça. Je vais regarder dans mes coloris, je reviens. Attaquer les petits coquelicots, les paupilles. J'ai choisi 149, 150... Et 149, 170. C'est encore plus foncé, vous savez, pour le petit effet noir qu'il y a dans les coquelicots. J'ai pris un rouge très 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 très, très foncé. De toute façon, mon fond 1 aussi pour faire les contours. Donc là, je pose mon 149 sur les 5 coquelicots.
Je vais reprendre la même technique que depuis le début. Je vais y travailler avec mes deux rouges. Et si j'ai besoin de mon plus foncé, je le reprendrai après. Oui, c'est ce que je vous disais au début. 5 poupées. Allez, on y va. Vous m'entendez pas parce que je suis en train de me concentrer sur mon rouge. Je veux que mes coquelicots soient réussis. Donc là, on est. Enfin, vous voyez, ça fait un rouge pratiquement bordeaux. Pour amener cette couleur foncée là qu'on a dans les coquelicots, pratiquement noir. Hey. Je vais prendre mon vert foncé après pour les tiges. Mon vert foncé, vert foncé. Petite tige. Et voilà. Regardez. Les coquelicots. Faire le petit cœur maintenant. Ça, on aura fini tous les petits éléments. Il ne restera plus que la robe à faire. On va attaquer le petit cœur. Bon, pour le petit cœur, je vais vous, sans peut-être vous choquer, mais j'ai choisi un vert. Et ouais, ça change. Et je me suis dit, allez, un vert très très clair. Mais pourquoi pas? Regardez. Allez. C'est toujours pareil, la beauté, c'est subjectif. Hein. Je vais le travailler en dégradé plus en le milieu plus clair. Et je vais faire les contours en 153. J'espère que ça va pas être
Si c'est trop clair, ça ne... 154. Ouais. Ça fait vert amande. Oui. Au contraire, c'est bien le vert amande. Ça fait bien foncer les petits morts, les petits bords. Mais écoutez, je suis contente. Voilà. Ça change un petit cœur vert comme ça, ça met un peu de gaieté. Pourquoi pas? Bon, bah écoutez, voilà la deuxième partie de réaliser. J'avais dit de faire la robe. Mais je crois que ça sera dans l'autre partie, partie 3. Et je verrai bien si on a dans la partie 3, on réussit à faire le fond ou pas. Je peux encore décider de savoir ce que je vais faire avec le fond. Donc, pourquoi pas? On verra partie 3. À bientôt. Bye bye. Au revoir. Amusez-vous bien. Bye bye. Au revoir.